Interview expert est aujourd'hui bien du côté de Lone Plage en compagnie de notre top pilote de la journée. Je veux parler de monsieur Jérémy Hocquet. Mais quel plaisir de vous revoir d'une part enfin sur le podium. Est-ce que pour cette nouvelle année, pour cette fin de saison, ce sera pourquoi pas votre année, pourquoi pas au Touquet Jérémy? Ah bah ça c'est sûr, je l'espère, hein. je vais tout faire pour. Là ça fait du bien de faire une course comme on a fait aujourd'hui. Lars a fait un super boulot, il a fait deux très bons relais. On s'est battu toute la course pour la victoire. Bon, on échoue à quelques secondes près, donc c'est un peu frustrant, mais ça fait plaisir de se battre devant avec Todd, tout ça qui roule très fort. Donc c'était une bonne journée. On a fait un peu de progrès sur la moto. J'ai changé quelques clics sur la course entre le premier relais et le deuxième relais. Et j'étais bien mieux sur le deuxième, donc ça fait plaisir. Et puis on va continuer à bosser pour la fin du championnat. Un nouveau cadre, une nouvelle moto, on commence vraiment à s'y habituer. Bah, je m'y suis assez rapidement habitué, mais on a eu du mal à régler un petit peu les suspensions. Et puis après, j'ai un peu perdu en confiance. Et j'espère c'est que la course qu'on vient de faire, ça va me redonner la confiance pour les prochaines courses et essayer de faire pareil. Qu'est-ce qui était le problème sur la moto? La suspension avant ou arrière? C'était quoi? Je pense qu'on peut encore améliorer un petit peu l'arrière, mais sur la course ici, on a changé un petit peu sur l'avant. Ouais. Et c'était carrément mieux. Le premier relais, j'ai eu mal au bras et le deuxième, pas du tout. Et je me suis fait beaucoup plus plaisir avec la moto sur le deuxième relais. Donc on va vers l'avant, c'est plus important. Vous appréciez beaucoup plus une suspension sur l'avant beaucoup plus souple pour avoir la possibilité d'ouvrir particulièrement sur les virages? Non, moi je préfère justement quand c'est dur parce que je suis petit et j'arrive pas à me mettre beaucoup à l'arrière. Donc ouais. Je préfère quand c'est bien dur à l'avant parce que ça m'aide justement à guider plus facilement la roue. Bon, pour la suite, il y a bien sûr, on va repartir dans le sud dans quelques jours? Ouais, pas tout de suite encore. Pas tout de suite, on va laisser passer le nouvel an et ouais. On descendra juste avant Graillan. Ouais. Et peut-être rester là-bas pour s'entraîner avant l'Enduropol. Graillan, c'est pas une course à la limite que certains pilotes y vont avec une certaine appréhension. Cette année, il n'y aura pas la plage. Par contre, il y aura effectivement entre les bois, dans les bois. Ouais, c'est sûr. Bon, Graillan, c'est une super course. Moi, j'apprécie et il y a beaucoup de pilotes aussi qui l'apprécient. Là, à voir maintenant, comme ça va être un petit peu entre guillemets un nouveau tracé sans la plage, on sait pas trop à quoi s'attendre, mais bon, on redoute un petit peu. Non, pas forcément, mais ça va changer. On aime bien aussi avoir la ligne droite pour reprendre un peu de vitesse, se détendre un peu les bras, tout ça. Donc on verra bien ce que ça va donner et puis de toute façon l'objectif c'est d'être prêt pour l'Enduropol. Jérémy, quand on fait aujourd'hui une course à Lone Plage, entouré de toute sa famille, ses amis ou quoi que ce soit, est-ce qu'on ressent sincèrement quand on est en tant que pilote les personnes qui vous encouragent derrière? Ouais, bah ça fait plaisir hein, de voir tout le temps les bras bouger sur le bord de piste. Puis c'est tout mon fan club, hein, ils sont toujours là. Toujours présent et ils le seront encore plus à l'Enduropol, donc c'est super sympa. Bon, pour l'Enduropol, on va essayer de monter sur le podium cette année. Ça sera vraiment l'objectif. Je pense que tout le monde en a envie, Jérémy. Tout le monde en a envie. On fait tout pour ça. Oui, c'est un objectif. Après, l'enduro, c'est l'enduro. Hein. On verra ce que ça va donner le jour J, mais en tout cas, je bosse pour être sur être le maximum devant. On est compétiteurs, hein. Ce qu'on veut c'est surtout gagner, donc je sais que c'est pas facile, mais si je me lève le matin et que je bosse fort, c'est pour ça. Donc, et puis bon, faut pas oublier Jérémy, vous m'aviez confié une fois que les nuits précédentes, en général, vous avez un peu de mal à dormir. Non, moi, ça va mieux. Ça change rien, je dors pas bien en général, donc avant les courses, ça change pas. Vous dormez combien d'heures, Jérémy, par nuit? Bon, je sais pas, 8 heures c'est une bonne nuit. Donc effectivement, il faut se reposer psychologiquement avant effectivement de se préparer pour le Touquet. Il y a mon plus grand fan qui fait du bruit. D'accord, ok. On va vous laisser effectivement rejoindre le podium, Jérémy. Et puis on se retrouve à Graillan, pourquoi pas sur le podium. Et puis le cas échéant, pourquoi pas sur le podium du Touquet. Merci Jérémy. Merci.